ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Oui, saluez-nous dans le nom précieux de Jésus. Amen. Nous disons, bon Dieu, merci. Nous louons notre bon Dieu. Nous bat l'action de grâce que lui-même seul l'y mérite. Nous disons, bon Dieu, merci parce que lui fait choix de nous-mêmes pour nous capables, encore une fois, pour nous capables de parler pour lui. Et c'est ça que fait dans un moment ça. Nous mettons nous tout petit en bas de lui. Nous faisons nous tout petit pour que lui-même soit capable de nous retirer tout nous-mêmes dans nous-mêmes, pour que lui-même soit capable de rentrer dans nous-mêmes, afin que lui soit capable d'agir selon Jean Livléa, lui soit capable de parler selon Jean Livléa, lui soit capable de dire ça que lui-même Livléa, que le peuple y attendait. Et nous remettons le moment ça et nous demandons pour être capable d'agir selon volonté dans la vie. Nous disons Dieu merci. Et nous louons non, nous bénissons, nous prions comme ça au nom de Jésus. À lui seul la gloire, l'honneur, la louange, au siècle et les siècles. Amen. Amen. Bon Dieu, est-ce que nous là? Nous là, oui, amen. Amen, amen, amen. Nous arrivons aujourd'hui à un dernier jour, mois de octobre blanc et mois de brisement. Mais c'est mois qui a fini, mais brisement pas fini. Parce que brisement l'a continué jusqu'à ce que nous arrivions et dans Jérusalem céleste là. Qui référence nous t'ai gagné pour moi, nous t'ai joigné dans le psaume 34, le verset 19, qui dit nous comme ça, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et nous apprenons un thème de référence dans Ésaïe 53, verset 10. À 12, livre qui dit nous comme ça, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. En sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se changera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. 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 Pendant 31 jours, pendant 30 jours qui sont passés, nous tendez parler de brisement en gros et en détail. Brisement, nous connaissons que c'est cassé. Nous connaissons que brisement, c'est brisé, c'est plati, c'est moulin. C'est ça qui brisement. Et nous gagnons dans brisement, nous jouons un brisement spirituel. Qui c'est un renoncement, qui c'est un dépouillement, ça veut dire que qui c'est retirer ça qui pas bon et puis mettre ça qui bon, qui c'est brisement spirituel à nos jeunes qui c'est enlever. Et nous tendez, comme se dit nous en gros et en détail, tout ça que brisement y est, qui fait que l'effet qui est fait que l'effet dans la vie nous et qui côté brisement mène nous, qui côté brisement prend nous et qui côté lui mène nous, qui ça lui fait pour nous. Rete kounye a, pour moi-même dans dernier moment ça, dans dernier témoignage ça, dans dernier parole ça, pour moi, c'est un ramassé.
sous tout ça nous joignent, sous tout ça nous t'étendez. N'a compilé yo, nous compilé yo, et puis nous faisons nous font synthèse. Ça veut dire que nous retirer, nous fait ça, nous retirer ça qui bon la donne, nous retirer tout ça qui bon yo, et puis nous pral côté au barreau. Brisement, c'est ça que nous même nous ouais, dans tout dans synthèse que nous fait, dans tout ramassé que nous fait, nous finit par ouais que brisement il y a trois niveaux. Dans brisement, nous joignons niveau physique là. Nous joignons un niveau moral. Et nous joignons un niveau spirituel. Pourtant, ça que nous remarquons, tous les trois niveaux, ça y est, ils ont gagné même dénominateur commun. Ça veut dire que ni brisement physique là, ni brisement moral là, ni brisement spirituel là, yo chita sous même dénominateur. Qui c'est la foi, qui c'est l'humilité et qui c'est la persévérance. Nous pral expliquer ou, ça nous dit ou là. Comment brisement manifesté dans chaque niveau ça yo. Dans niveau physique là, nous prenons un voyage, nous prenons aller bon piscine Bethesda. Nous prenons aller bon piscine Bethesda dans Jean 5 verset 1 et suivant. Qui ça nous est? Nous retrouver et puis sin Bethesda, nous retrouver yon nèg. Yon homme qui paralysé. Mais c'est pas lui-même seulement qui était là, nous t'ai jeune en pile malade. T'ai gen en pile malade, yo t'ai gen un grand nombre de malades. T'ai gen aveugle, t'ai gen boiteux, t'ai gen paralytique, yo tout était là. Bon piscine. Et qui ça t'a fait bon piscine? Yo t'a tande. Parce que gayon manifestation qui qu'on fait dans piscine. Gayon un ange qui qu'on descend dans piscine. Le ange la descend, gloire bouillonner. Et le gloire bouillonner, premier monde qui descend dans piscine, les joine guérison. Et nous joine nèg ça qui gagné 38 ans. Depuis li bon piscine. Nous ka poser tête nous une question. Qui moun qui t'est déposé bon piscine nan, parce que son moun qui paralysé pas ka fan ken mouvement avec col. Mais bon moun qui t'est déposé bon piscine nan. Mais si bon moun qui t'est déposé bon piscine nan, mais pour qui ça moun ça, li pa rete avec li pour te tann manifestation de gloire pour te kala gèl nan piscine nan. Depuis là commencement côté monsieur a t'est vinn bon piscine nan, brisement là t'est commencé. Parce que là on capable comprendre que yo la gueule bon piscine nan, mais yo pas ka faire rien l'autre pour lui. 38 ans, c'est pas 38 heures. C'est pas 38 minutes. C'est pas 38 secondes. C'est pas 38 jours, c'est pas 38 mois. Mais c'est 38 l'année. Pendant 38 l'année ça, il y a plein de monde qui passait. Mais pas yon qui te gen compassion pour monsieur ça pas ka faire mouvement lui-même. Là tout monde qui t'est passé yo, pas yon qui te dit bon, qui t'aime bal chance là. Pas pour moi même mal lagué comment, qui t'aime lagué colan, qui t'aime lagué monsieur ça avant. Non. C'est dit que c'est un monde ou en état de brise maintenant qui t'est méprisé. Yo t'es piétiné. C'est 38 ans de piétinement, c'est 38 ans d'humiliation. C'est 38 ans côté manifestation que t'es fait pour lui, toute coucou il t'est bougé. C'est en 38 ans de dépouillement total, de avilissement. Monsieur a li pas comme ça pour t'ai fait. Li ou capable dire t'es découragé, il t'est qu'à décourager. Mais elle t'est resté là. Qui ça qu'elle t'est resté là? Son conviction qu'elle t'a gagné. Son bagage qui était en dedans, que peut-être qu'il était dans lui-même, ni pas même comprendre lui-même. Qui fait le rester là? Parce que pas grand monde qui occupe. Côté famille, pas grand monde qui connaît.
Li pa gen zanmi avant quand t'es paralysé à quand t'es venu là, pas gen moun ki konnen. Eh bien, li t'es capable. Li t'es capable non état que li même ni pas même comprendre dans état te ya. Seulement tap ton yo bagay. Li tap ton. C'est-à-dire que li t'es gen peut-être la foi qui enraciné dans li même. Que pas même ka comprendre ça. Mais pas découragé. Li pas découragé. Li tap ton. Et yon secou. Et secou a te rive pa joine li. Secou a te fini pa rive bon kote li. Kèl te brisé. L'esprit de l'abattement. Et là l'esprit de l'abattement. Et c'est là. Bon Dieu intervenu. Bon Dieu intervenu en la personne de Jésus-Christ. Jésus paraît. Là Jésus te paraît, t'es grand pile malade, t'es grand pile paralysé que t'es là. Mais il te paraît, c'est sous nègre qui a 38 ans. Parce que Jésus te connaît, connu, que nègre ça, il y a longtemps là, et pas de personne qui te garde. Et c'est quand ça vous même matin. Ou capable bien longtemps de poulon ou long abattement ou capable bien longtemps depuis ou long problème ou long brisement pas de personne qui voyage baou tout pour méprise ou tout coucou éclairé pour Dieu donc c'est comme ça la vie a vigné en pile fois c'est tout coucou éclairé pour Dieu eh bien matin Jésus vini il vient faire rencontre avec vous même j'ai fait rencontre avec paralysé ça. Et là, elle te fait rencontre avec paralysie ça. Il te paraît sous nègla. Il te demande nègla. Où vle guéri? Est-ce qu'on vle guéri? Je viens de ça dans Luc 5, verset 6. Est-ce qu'on vle guéri? Nègla te dans l'étonnement. Parce que depuis 38 ans, là, pas grand monde qui vient poser la question ça. C'est sûr que l'étonné. Et qui réponse que le te baille? Quelle a été la réponse? Le cri de cet homme. Cri qui était sorti dans la profondeur. Elle, dans le tréfonds de la ville. Il était dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Matthieu 5, verset 7. Ma terre, dans le physique ou brisé. Ou nan yon abattement total. Ou senti ou fini. Pas perdu espoir. Parce que jou pour l'arrivée. Jésus mande ou est-ce qu'on voulait guéri? Jésus mande ou matin, est-ce qu'on t'a remé guéri? Et à question ça, veux-tu être guéri? Si ou gen la foi, ou ap répond, Amen. Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne. Et c'est cri américain lancé par Jésus matin. Il dit Jésus, américain pas gain personne. Américain pas gain personne. Jésus te dit, lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Luc 5 verset 8. Matin, bon Dieu, tout, levé, prends caban nous, marché. Et aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Luc 5, verset 9. Dans le cas ça, nous joignons la forme totale de dépendance. Nègla était totalement dépendant de Jésus. Il était dépendant, il n'y a pas de compte qui est Jésus. Mais li wè moun nan te vin pose la question. Et nan yon cri de détresse, li te lage kol net nan men moun sa, li di Seigneur. Pour qui ça dit Seigneur? Gen yon bagay ki fait nan li men. Gen yon kod ki kase nan li men. Li wè konèt nan nèg sa, gon puissance. Li wè konèt nan nèg sa, gen yon valeur. Li wè konèt nan nèg sa, gen yon bagay ki pi fò pase li. El te di, Seigneur,
Je n'ai personne. Donc, c'est forme totale de dépendance. Pas de personne, non? Pas de personne. Puisqu'on vient de poser une question, pas de personne. Mais dépend qu'on y a de vous-même. Parce que vous connaissez dans vous-même, il y a une force. Et de total, de forme totale de dépendance, nous venons joindre une forme totale de bénéfice. Lorsqu'on dépend totalement de bon Dieu. Ou retirer tout ou même qui dans ou même. Ou retirer tout ça que tu fais ou même. Ou retirer ou quitter bon Dieu, rentrer dans ou même. Ou gagner une totale dépendance, ou bien ou jouer un total bénéfice. Total bénéfice, hein, c'est le lève-toi et marche. C'est secours, c'est guérison pour ceux qui dans l'affliction. Et le psaume 147. Verset 3 dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pansent leurs blessures. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça. Nous trouvons-nous dans le marché. Nous venons trouver-nous dans le bon tir. Nous trouvons-nous dans le territoire de Tyr et de Sidon. Nous descendons dans le deuxième brisement, dans le niveau deuxième brisement, brisement moral. Nous venons dans Matthieu 15, versets 20 à 28. Nous devons un cas qui est déconcertant. Nous devons un cas qui est bouleversant. Car nous connaissons que Jésus vient. Il dit que les vini pour moun qui malade yo. Li dit les vini pour moun et pour mépriser yo. Li dit les vini pour pécheur yo. Mais devant ça, ou pas trop connaître Jésus ça. Devant femme cananéenne. Devant femme cananéenne qui t'est venu crier bali qui t'est dit aie pitié de moi Seigneur fils de David, lui te reconnaître en Jésus que Jésus était le fils de David. Lui dit aie pitié de moi Seigneur fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Jésus pas répondu un mot. Il est pas occupé du tout. Jésus méprisé. Jésus continue marcher. Et madame dans lui-même il continue à crier les Jésus. Jusqu'à ce que les disciples te disent, voyez l'aller, non, les filles trop derrière nous. Voyez l'aller. Eh bien, c'est même genre dans la vie où ou capable, oui, dans situation, côté que vous avez crié, by bon Dieu, ou avez un monde qui vous dit, bon Dieu, pas occupé, ou avez un monde qui vous dit, il ne va pas répondre, ou bien elle va occuper, ou bien elle va garder, ou. Mais pas baisser les bras. Madame n'a pas baissé les bras. Il était continué à crier de Jésus. Jésus, mandez-vous. Jésus, répondez-lui. Lui dit, madame, non, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Madame, non, c'est ton brebis perdu, le théier. Mais elle n'a pas fait partie de la maison d'Israël. Jésus dit, je te voyais. C'est pour moun qui perdu dans la maison d'Israël. Madame n'a pas occupé question. Réponse à Jésus qui balia. Madame n'a pas persévéré, elle t'a continué. Elle t'a dit, elle t'a vint prosterner devant Jésus. Elle dit, Seigneur, secours-moi. Jésus répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ok. Humiliation encore. Donc devant humiliation, ça. Et en pile dans nous-mêmes, qui t'a viré de nous. Qui t'a même dit, ça, on comprend nous y est là. Alléluia. Qui t'a dit, Jésus, ça, on comprend nous y est là. Pour qu'il soit humilié comme ça, pour qu'il soit prêt à tout. Et en pile dans nous-mêmes, qui t'a senti que, oui, nous vexer, nous faire colère et puis nous virer de nous. Non. Madame n'a pas été femme. Madame n'a pas été quittée. Oui, quitté Jésus. Descendu dans le dernier niveau. Elle te répond, Jésus. Seigneur, oui, moi tendez son dîme. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alléluia. Nous, elle qui est ça, madame, dans mes têtes.
Nous nous avons été nous descendons tout orgueil. Nous descendons tout lui-même. Qu'on a lui montré Jésus que nous dépendons de nous-mêmes. Son dépendance totale que nous avons Jésus. Lui te montré Jésus que nous n'aime pas en rien. Oui, c'est chien, mais chien, c'est miettes qui sortent sous table, mettre le manger. Même si c'est miettes, moi, je m'apprends. Parce que je connais la miette là, il y a délivrance. Je connais la miette là, il y a sécurité. Je connais la miette là, oui, il y a quelqu'un content. Je connais la miette là, il y a guérison. Je m'apprends miette là. Je ne dis pas que si ça, je m'en trop petit. Non. Tout ça, au moins, tout ça, bail, gagne la gloire à la donne. Tout ça, bail, gagne guérison à la donne. Li gagne, oui, li gagne quelqu'un content à la donne, li gagne délivrance à la donne. Et c'est délivrance, madame, dans tes vies, chercher. Amen. L'œil répond Jésus comme ça. Li casse des points de Jésus. Madame, dans tes casse des points de Jésus, alors Jésus te répond ni. Li dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Est-ce que foi nous grande? Vous comprenez ça, Jésus dit? Jésus dit, ta foi est grande, que ça fait Jean ouvre l'île là, oui? C'est Jean la foi, madame, dans tes villes là, que Jésus m'a dit pour ça fait, oui? Est-ce que vous avez la foi pour que soit demandé, bon Dieu, là? Le bon Dieu dit que ça fait selon foi pour là. Est-ce que vous avez la foi vraie? Est-ce que la foi que, ou est la foi pas réglée, ou demandez, bon Dieu, bagaille, la foi pas réglée? C'est parce que, bon Dieu, te répond nous, que ça fait selon la foi, ou? Et si foi ou autre, il n'est pas réglé. Et la foi, madame, c'est tellement grande, Dieu doit à l'instant même, que madame, non. Guéri. Petit a guéri. Oui. Ça, c'est niveau. Niveau brisement moral là. Madame, non. Et quittez-le dans mes Jésus. Lui t'a marché des Jésus. Et Jésus t'a assisté. Jésus t'a assisté. Il t'a joué une délivrance lui dans mes Jésus. Il te joint une délivrance dans mes Jésus. Et dans Isaïe 38, verset 13, nous concrétiser délivrance ça. Lisez-nous comme ça. Je me suis contenu jusqu'au matin comme un lion. Il brisait tous mes os. De jour à la nuit, tu m'auras achevé. Mais Jésus te répond. Et madame, dans tes joints, total, dans total dépendance, hein? Madame, dans tes joints, total, total assistance liant. Petit liant te guéri à l'instant même. Et c'est comme ça n'a cheminé, nous vivons dans le brisement spirituel là. Et dans le brisement spirituel là, nous pral descendre dans le jardin des oliviers. Nous pral descendre dans le jardin des oliviers. Dans Gethsemane. Dans Matthieu 26, verset 30-31, nous joignons. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors, Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. » Quand il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Nous joignons Jésus qui est arrivé dans le jardin Gethsemane parce que l'œil est arrivé pour te retourner à jeune papa. L'œil est arrivé pour te accompli dans la totalité mission que mon Dieu t'a voyé le faire. Quand il t'a dû passer par le brisement pour te capable de jouer une gloire. Il t'a dû passer par le brisement pour te capable de ramener nous vers mon Dieu noir. Faut te passer par un brisement total, un abandon total pour que il t'a capable de ramasser nous parce que il t'a venu pour te capable retirer nous leur péché côté nous t'a. Et Jésus était allé dans le lieu côté créé Gethsemane. Il t'a dit disciples, nous-mêmes nous mettons chita là pendant que moi-même m'a allé un petit casse plus loin pour me capable prier. Et l'été commencé prier. L'été éprouvé une grande tristesse. L'été éprouvé une angoisse. Que à nul autre pareil.
que personne pour que j'aime sentir dans la vie. Non, ni c'est triste. Et dans verset 38, là, il dit, Jésus dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Jésus était senti ça que le tapal subir. Il était senti toute phase. Il était senti toute phase chemin la croix. Et il était jeté le face à terre. Il était prié comme ça. Tant de prières, bon Dieu. Jésus t'a fait bon Dieu. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Parce que ça, c'est pas capable. Il n'est pas capable de supporter. Mais il dit, bon Dieu, s'il est possible, on coupe ça éloigné de lui-même. Mais vu qu'on connaît que il a une mission pour le remplir. C'est pas lui qui met tête dans situation de là, mais c'est gagné un monde qui était en l'aile, qui était voyé. Et mission pour qu'au final accompli. Il t'a dit toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Père. Nous t'ai vu un Jésus qui a battu. Nous venons Jésus qui brisait par le poids de la trahison. Nous venons Jésus qui brisait par le poids de nos péchés. Nous venons Jésus qui brisait qui est par le poids de notre abandon. Nous venons Jésus qui brisait par le poids de nos moqueries. Nous venons Jésus qui brisait par le poids de nos reniements. Nous venons Jésus qui brisait par le poids de nos outrages. Même yon brigand, yon malfaiteur, yon te mette ensemble avec lui, t'as dérespecté. Dans Matthieu 27, verset 46, nous joignons Jésus qui est totalement brisé. Nous joignons Jésus qui est totalement brisé. Mais il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il subit un pile outrage pour moquerie, par moquerie nous. Nous venons Jésus qui bat nous un exemple. Un exemple complet. Un exemple parfait d'obéissance, d'humilité, d'abandon et de persévérance. Nous venons Jésus qui finit, mais qui rete, qui exécuter ordonnance que papa te balia jusqu'à la fin. Et nous devons suivre exemple Jésus ça. Et dans total abandonnant, dans total abandonnant, nous joignons une totale récompense. Qui salteye, 3 jours après la mort de Jésus, Jésus est ressuscité. Bon Dieu t'est ressuscité des morts. Yes, Lord. C'est total sacrifice ça, c'est total récompense ça que nous joignons. Nous joignons total sacrifice. Jésus qui était obéissant jusqu'à la mort. Jésus qui était gardé unité. Il était capable de dire mon yo cap battre, il était capable de dire mon yo cap humilier là. C'est moins bon Dieu là. Nous pas nous faire ça. Il était capable de dire bon Dieu, m'pas faire ça encore. M'pas continuer. Mais il était resté dans l'humilité, il était resté dans l'abondance, il était resté dans la persévérance. Matin, ou bien 3 exemples de brisement ça yo. Et nous disons, nous joignons un point de commun là-dedans, une dénomination commune, c'est la foi, l'obéissance, l'humilité et la persévérance. Jésus, relo matin, on nous suit l'exemple de Jésus. Exemple ça qui relo matin pour accrocher à bon Dieu. Exemple ça qui relo matin pour kebe bon Dieu là. Exemple ça qui est le matin pour remettre net à bon Dieu, pour bay total abandon ça à bon Dieu. Envers, malgré et contre tous. Et contre tous. Matin, ou même si la cap tendi, c'est dernier moment là. Dernier moment abandon, dernier moment brisement. Bon Dieu relé. Pas faire au domon. Bon Dieu relé.
retire tout ou même dans ou même qui était bon Dieu prend la vie ou. Matin bon Dieu relé ou pour capable abandonner ou à lui même seul parce qu'on pas gain l'autre monde. Seigneur, je n'ai personne. Seigneur, met bon reste à crété a ni met cette miette au bon moi m'apprendre parce que me connais la miette à mien délivrance là dedans. Seigneur. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté qui vous faites dans la vie, pam. Ta volonté. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Et c'est ça, matin, que vous devez faire. Ou même qui dans la tête de peace ministry. Ou même qui attendez parole, bon Dieu, jour et nuit. Ou même que bon Dieu a délivré, ou même que bon Dieu abaille des exemples, abaille poule, chaque mois, bon Dieu, bon poule, comment pour conduire la vie, matin, bon Dieu, d'où la vie, amen. Total abandon, baou, total bénéfice. Total abandon, dans total bénéfice, ou joindre le secours de l'éternel, ou joindre la guérison, ou joindre assistance, dans mes bon Dieu. Que Moussaïo, que nous jouons matin, que vous capable d'aider nous pour nous continuer vie chrétienne nous, qui pas une vie qui facile. Côté que chaque pas nous fait, nous jouons brisement. Chaque pas nous fait, nous jouons découragement. Chaque pas nous fait, nous jouons calotte. Chaque pas nous fait, nous jouons humiliation. Mais souriez dans la foi, souriez dans l'obéissance, souriez dans la patience, souriez dans la soumission, souriez dans l'humilité. Ou avec secours, assistance, que bon Dieu lui-même est déjà préparé pour vous. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu protège vous, et surtout, que bon Dieu passe avec vous. Amen. 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 Amen.